Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment bien faire son scav sur Lighthouse. Donc j'avais déjà fait ça sur l'ancien wipe, là je recommence. Mais avant de faire cette petite aventure ensemble, je tenais à vous remercier du suivi que vous me donnez sur YouTube et sur Twitch, parce que n'oubliez pas que j'ai une chaîne Twitch aussi. Grâce à vous, j'ai beaucoup plus de visibilité qu'avant, et je tiens à vous dire que je vais faire en sorte de faire plus qualitative mes vidéos, histoire que le contenu évolue. Et en tout cas, voilà, je voulais vous remercier mille fois, et donc je le fais là, maintenant, tout de suite, dans cette vidéo. Abonnez-vous, commentaire, pouce bleu, tout ça. Merci, grâce à vous, je suis dans l'algorithme YouTube et Twitch un petit peu aussi. Voilà, merci. Donc du coup, le classique sur Lighthouse, donc bien sûr, la route principale, donc bien sûr, vidéo qui est consacrée pour les amateurs principalement. En tout cas, moi, c'est ma façon dont je fais mes scaves actuellement. Route principale, vous allez looter tout ce qu'il y a là-dessus. Vous allez pouvoir déjà vous faire quelques milliers de roubles. On fait comme la vidéo de l'interchange, on va essayer de compter en direct. Donc là, j'ai des clés qui coûtent cher déjà, j'ai la chance d'avoir ça. Donc là, de tête, on va dire qu'on est déjà... Allez, on va rester raisonnable, on va dire 100 000 roubles, allez. 100 000 roubles, donc là vous suivez la route principale. Dites-vous, alors bah oui, il y a déjà un pilgrim. Hello guys. Donc, route principale, ne faites pas des contournements sur le scav. Dites-vous que c'est pas votre stuff, vous avez spawné avec des trucs que vous n'avez pas acheté, donc du coup, vous n'avez rien à perdre. C'est pour ça qu'il faut être gentil en scav pour faire des scavs le plus vite possible. Donc, vous marchez sur la route principale. Généralement, sur Lighthouse, vous spawnez à du 35 minutes en scav. Moi, j'ai spawné à du 20 minutes. Donc là, ça fait une minute qu'on a commencé. On est déjà sur 100 000 roubles. Le but, c'est d'aller très vite. Et surtout d'avoir un maximum. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire ce scav en plusieurs étapes selon les circonstances, selon ce que vous allez pouvoir trouver rapidement ou pas. Donc là, on voit que les deux rogues qui sont... Donc là, on arrive au camp rogue, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, sont morts. Donc là, il y a un mec qui a décidé de prendre. Donc, on va voir le premier rogue. Donc là, il a déjà été looté. Donc c'est pas, il n'y a pas d'importance d'aller voir le deuxième rogue. Par contre, moi, ce qui m'intéresse en vrai... Ça, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et surtout, son sac. Dites-vous que si vous mourrez, c'est pas grave. Et si vous vous en sortez, eh ben, c'est tant mieux. Voilà. Donc là, on va voir un peu ce qu'il y a là. Alors, pour l'instant, c'est pas dingue. Et il me semble que c'est le rogue, à moins que ce soit un joueur qui soit mort après. Oh, ok, il l'a dépouillé. Il l'a dépouillé et lui-même s'est fait dépouiller. Donc quand c'est comme ça, en fait, moi, je vais même pas voir le deuxième. Je vais directement voir là qu'est-ce qu'il y a là. Donc pareil, je calcule. Ici, spawn à Bitcoin, pareil, Bitcoin, des viseurs sympas, des Bitcoins ici, tout ça, il peut y avoir des Bitcoins, des petites des morphines aussi qui spawnent là. Donc, généralement, quand ici, pareil, spawn à Bitcoin. Donc là, des petits viseurs, ça coûte pas grand-chose, mais bon, vous allez voir que, comme interchange, je répète, après, une fois que vous êtes complet, vous allez prioriser votre stuff. Il faut rentabiliser, il faut imaginer que votre slot, le prix de votre slot, en fait, voilà. Donc là, je prends, pour l'instant. Donc là, on est sur du 150 000 à peu près. Pour l'instant, c'est pas dingue. 150 000 roubles en 2 minutes. Donc, maintenant, vous pouvez monter en haut. Avant, vous ne pouvez pas. Maintenant, vous pouvez. Donc là, on va aller voir un peu ce qui se passe là-haut au niveau des rogues. Et on va essayer de looter. Donc là, j'entends qu'il y a du tir. Putain. Donc là, il va y avoir peut-être du fight un peu. On va voir, je sais pas si je peux installer un viseur. Non. Donc là, il y a un mec qui est en train de camper à l'étage. On va voir si on peut se le faire. Donc là, il a son arme. Voilà, donc là, on est... Le pistolet, vous en prenez qu'un. Ne prenez pas de pistolet, il coûte rien. Donc là, on a un seul pistolet, donc on le prend, ça vaut le coup. Mais sinon, ne prenez pas. Voilà. Donc là, on est pareil, on est... Oh, RD704. On est plus sur du 200 000 roubles, là, maintenant. Je vais prendre ça, on sait jamais. On est sur du 200 000 roubles. Les RD, elles coûtent bien. Elles coûtent super cher, elle est très bien. C'est la meilleure arme méta du jeu. Voilà, là c'est ça qu'on veut, une Gen 4, tout ça.
Donc là, on est déjà sur du 200 000, 300 000, 300, 400 000, 400 000 roubles. C'est dommage qu'il n'y a pas un sac. Putain, ça m'aurait bien dépanné. 400 000 roubles. Peut-être, hein, bien sûr. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais tant pis. Qu'est-ce que je fais? Tac. Donc là, c'est du 400 000 roubles. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est pas grave. Ouais, j'aurais dû garder l'autre. Tant pis. Allez, on va mettre la cagoule là. Moi, j'aime bien les cagoules. Voilà. Donc là, on est chanceux. Donc en fait, à cette étape-là du scav, vous pouvez vous dire 400 000 roubles en à peu près 5 minutes. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Après, vous pouvez toujours aller chercher plus en allant chercher ce qu'il y a là-bas, mais plus de risques. Aussi, bien regarder ces extractions, si vous avez bien la grotte ou Industrial Gate. Donc là, la grotte, je l'ai, Industrial Gate, je l'ai. Si vous voulez pas prendre trop de risques, vous pouvez looter ce bâtiment-là. À mon avis, il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est même sûr. Donc là, parce que ce bâtiment-là, voilà. Donc là, il y a quelqu'un, on va partir en fight. Totalement fail ma grenade. Voilà. Donc là, lui, il est mort. Je sais pas si c'est un joueur. Ok, c'est un joueur niveau 33. Donc là, joueur niveau 33. Bon, voilà. Là, il nous a. Là, il s'est fait plaisir, le mec. On va prendre ça. Hop, donc là, le mec, vous voyez, il est complètement full stuff. On va même prendre la zone 4 parce qu'après il faut voir l'utilitaire et pas forcément que l'argent, mais tout ce qui peut vous être utile en tout cas. Voilà ça. Les IFAK, putain, prioriser les IFAK, pardon pour la grosseté. Les IFAK c'est 20 000 en général, donc ça rapporte, c'est 20 000. Quand t'es un slot qui a 20 000, c'est que c'est génial. Voilà, donc là le gars, tac, on va prendre ça. Donc peut-être que je fais des erreurs dans mes choix. Donc là, on est quasiment sur du 600 000 roubles. Hein. Là, on est sur du 600 000 roubles. Je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais prendre les grenades que j'en ai besoin. Qu'est-ce que je vais pouvoir enlever? Ça, en vrai, je les enlève. Et là, on va pouvoir dépiauter un peu, on va pouvoir dépiauter un peu les armes. Peut-être que c'est pas les meilleurs choix que je fais, hein. Je suis pas non plus un expert. Essayer de d'accrocher un maximum de trucs. Voilà, je prends les silencieux. Après, la RD, en vrai, la RD, elle coûte très cher. Je vais la prendre, la RD. Une RD, c'est méta, hein. C'est exactement ce qu'il faut. Essayez de t'accrocher un truc que vous pouvez au maximum, ça coûte cher ça. Voilà. Donc là on est sur du. Ouais, là on est sur du 600 000. Hein. 1, 2, 3. On est sur du 500, 600 000. Là le mec il a clairement tout looté pour nous. Donc là pour le coup ça sert absolument à rien. Alors là pour le coup, attends, non. On va faire mieux. Petit, au moins. Faire plaisir. Voilà. Voilà, on va pouvoir faire ça. Et on va pouvoir ramasser la N4. Ah, j'ai pas pris de pèlerine. Ah, je suis fatigué. Ah, il est fatigué. Il va être fatigué, mon personnage. Il va pas pouvoir. Mais bon, on va tester tout ça. Tac. Attends, si je fais comme ça, non, ça change rien. Alors, c'est peut-être pas les meilleurs trucs que je fais, attention. Hein. Mais ça, c'est 100 000, en fait. Vous pouvez la vendre 100 000, cette arme-là. Donc là, on est sur du 700 000. On est sur du 700 000. Je sais pas si j'enlève la crosse, si ça fait quelque chose au niveau des slots. Non, il n'y a pas de. Il faut enlever le tube. Ouais, j'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus. Tac. Après, on peut encore gratter plus. Hein. On peut encore gratter plus. Allez, on va vraiment aller prendre tout ce qu'il faut pour remplir. Là c'est bon. Je me répète, hein, peut-être que je fais pas les meilleurs choix, mais en tout cas c'est rapide. Enfin j'essaye. Voilà. Donc là on va essayer de s'extraire. 59 kilos, 58. On va pas se prendre la tête. Hein. Donc là on est sur du 700 000 roubles. À peu près. Hein. C'est de la chance. Vous allez voir quand sur Lighthouse, vous allez pouvoir ramasser beaucoup plus. On est sur du 9 minutes. Je vais m'extraire, il s'en fera sur du 11 minutes. Là, mon personnage est en PLS. Donc voilà, je vous laisse, moi et mon fort poids en surcharge. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, pouce bleu, etc. Commentaire. J'ai mon Twitch.
Et je veux bientôt avoir d'autres projets. Je suis en train de brosser avec des gars sur des projets qui sont un peu. Voilà, si vous suivez un peu le mode communauté YouTube, j'en ai un peu parlé. Je suis en train de travailler sur des trucs. Je vais vraiment essayer de faire de la quantité, de la qualité, pardon, pas de la quantité, de la qualité sur mes vidéos. Donc, en tout cas, je tiens sur vous. Je compte sur vous. Putain, je vais réussir à parler ce soir. Abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, etc. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bisous, bye.